Et salut à tous, c'est Plopsamania, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, c'est le soir parce que c'est la soirée du nouvel an. C'est le réveillon de nouvel an. Alors je vous emmène dans cette vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Allez, suivez-moi, c'est parti! Eh bien ça y est, on est enfin rentré dans le parc avec une ambiance musicale un peu différente de d'habitude, c'est super cool. Et on est accueillis par des costumes lumineux. Je vous mets d'ailleurs quelques images maintenant de l'accueil. Alors voilà, je vous ai mis quelques petites images de l'accueil. C'était plutôt très mignon. Et là du coup on profite du parc dans une ambiance lumineuse plutôt sympathique. Il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir à voir. Pour un 31 décembre en plus il fait pas froid. Donc super agréable. Et puis là on se dirige faire un petit tour dans le parc. Et pourquoi pas peut-être essayer de faire quelques attractions aussi. Et après donc ce soir du coup il y a le show de Samson et Marie. Et juste après le passage à la nouvelle année, il y a un DJ set du coup sur la place du village. Ça va être fort bien sympathique. Bon, on continue notre petit tour dans le parc. On a récupéré le copain Jason qui a fini sa journée et c'est plutôt très agréable parce qu'il fait vraiment très très bon ce soir. Le parc est magnifique, les décos de Noël sont super jolies, c'est super beau dans le noir et pouvoir profiter de ce temps et de ces décos, c'est juste génial parce que on est plutôt d'accord que le temps d'hiver ça caille, c'est moche, c'est tout fermé. Et là, on a juste un peu de vent, donc ça va. Allez, on se dirige vers les premières attractions. Eh bien, ça y est, on est parti vers une de mes attractions préférées. Non. Allez, une des attractions qu'on aime bien faire ici à Plopsa. Les montgolfières. En plus, de nuit, c'est sympa. Avec toutes les lumières et tout. Vraiment chouette. Eh bien, après cette petite attraction, ce petit tour à montgolfière, c'est l'heure du miam miam. Et si vous suivez les vidéos, vous savez où on se trouve. Ce mur doit vous dire quelque chose. C'est chez Clara.
Ou plutôt, chez Plop Burger. Ah non, pardon, Plop Burger. On est au Plop Burger. Alors du coup... Alors du coup, à savoir que quand vous avez un ticket pour la soirée abonné, vous recevez un bon de 10 euros à dépenser soit en food, soit en merchandising. Donc du coup, bah, en fait, ce soir, on a mangé pour 3,50€ par personne. Ce qui est plutôt sympa. Allez, je vous laisse. On se retrouve juste après le miam miam. Eh bien, on sort du Plop Burger. On vient d'aller manger notre petit menu. C'était très, très agréable. Et maintenant, on va aller se diriger vers la place du village pour aller voir le show de Samson et Marie. Ah, ah.
La soirée continue. Je pense que vous l'entendez encore derrière moi, mais il y a le DJ set de DJ Zina, donc de Arizina, qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Et on va se diriger vers les attractions, mais pour profiter encore un petit peu de ce qu'il y a à faire, quoi. Et du coup, on passe une plutôt bonne soirée, même s'il n'y a pas beaucoup d'ambiance ce soir, j'avoue. Je pense littéralement que la météo est... Et le peu de monde ont fait que il n'y avait pas une ambiance super optimale, mais on passe quand même une bonne soirée dans le parc avec très peu de monde. Je me dirige vers les tasses à café pour profiter un petit peu des lumières du parc. Alors là, je pense qu'on est un petit peu dans le noir, mais du coup, je fais un petit tour là-bas et après, je finis un petit tour dans le parc avec les décorations. Je retourne voir le show de Samson et Marie et Luminaria, le spectacle de Winter Magic. Et après, il sera malheureusement temps de fermer cette vidéo. Ah non ! Erreur de ma part ! Il sera l'heure d'aller danser sur le dance floor avec la DJ Party qui aura lieu du coup de minuit à 1h du matin. Eh bien c'est parti pour notre petit tour dans les tasses à café. Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais on passe quand même une très très bonne soirée ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'être dans le parc pour cette fin d'année. Et que ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup. Je crois que je vous reparle après plutôt. Olé ! Wouhou ! Eh bien ça y est, on sort du coup des tasses. C'était sûrement ma dernière attraction de la journée. Dire que c'est un peu compliqué si on veut essayer de voir un peu tout ce qui se passe dans le parc. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais il y a des nouvelles lumières qui ont été installées dans le festival des lumières, super joli. C'est des grosses boules lumineuses, c'est super beau. Et donc comme je disais, enfin comme j'essayais de le dire d'ailleurs du coup dans les tasses à café, c'est plutôt agréable de finir 2022 ici à Plopsa, dans un endroit où beaucoup de choses se passent pour moi. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Je suis peut-être simplement sur YouTube et Instagram depuis très peu de temps. Mais ça fait ma 15e saison cette année en tant qu'abonné. Je dois dire que c'est très spécial pour moi. Plopsa a une place énorme dans mon cœur, forcément, en tant que fan et du parc et de Studio 100, bien sûr. Donc oui,
C'est très bizarre. Et du coup, comme je disais, eh bien, pouvoir terminer cette année ici, dans un endroit qui m'est cher, avec des moments parfois plus compliqués que d'autres, parfois des moments plus drôles, des moments moins drôles, des ouvertures d'attractions, du contenu que je vous partage sur la chaîne depuis maintenant quelques temps, eh bien, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on se prépare pour 2023 avec beaucoup plus de contenu encore. On va essayer d'être un peu plus présent sur les autres réseaux comme TikTok, essayer de développer un peu plus Facebook aussi. Facebook, ça serait pas mal de développer. Pourquoi pas un site internet. C'est plein de choses que j'ai en tête. Maintenant, à voir si cela est possible. Et en tout cas, j'ai une équipe. Parce que oui, vous pensez que je suis tout seul? Je suis tout seul à l'image, je suis tout seul sur les montages, je suis tout seul sur pas mal de choses, mais j'ai quand même une équipe qui me soutient derrière. Même si c'est parfois qu'un soutien, moral, pardon, ben ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Je pense à Mathéo, à Stani, à Roby, aussi aux filles que vous voyez souvent dans les vidéos. Parfois c'est pas toujours très simple. On a tous des caractères un peu forts, mais il y a une chose qui existe et c'est l'amitié, et voilà. Donc Plopsa, c'est pas simplement un parc, c'est aussi là où des amitiés se créent, des relations se créent, et je dois dire que j'ai eu la chance de croiser le chemin de pas mal de monde, et du coup voilà, petite séquence émotion, on adore, voilà. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais on s'aime tous beaucoup. Et on espère que 2023 réserve beaucoup de choses très positives pour nous tous. Et puis, voilà quoi. Alors, je parlais de Stani, Roby et Mathéo. En tant que soutien moral et parfois d'une grande aide aussi. Mais au niveau des logos, au niveau des publications, etc. Depuis très peu de temps, il y a un petit nouveau dans l'équipe. Il s'agit de Thibaut. Et Thibaut a dessiné le logo que je vais vous incruster juste ici dans la vidéo. Donc c'est le nouveau logo de la chaîne. Beaucoup de monde rigoleront de ce dessin. Moi j'en rigole parce qu'il me correspond tellement. En tout cas, vous allez le découvrir très bientôt. Je le trouve super talentueux ce garçon et franchement c'est génial. C'est génial. J'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs. Sur ces dessins, et c'est d'ailleurs des dessins qui agrémenteront les vidéos de temps en temps. Donc voilà, et du coup là on se dirige encore vers d'autres zones du parc qui sont encore totalement éclairées et décorées pour Noël et le Festival des Lumières, et après on se dirigera vers la place du village pour profiter des dernières animations. Comme vous avez pu le voir sur les images, franchement, les équipes du parc ont fait des choses merveilleuses, encore une fois cette année, pour Winter Magic. Le parc est décoré d'une manière, mais alors magnifique. Certes, les décorations du Festival de Lumière ont un peu souffert cette année, j'avoue. Mais rien n'empêche que l'illumination du parc reste, mais alors, d'une beauté, c'est sans nom. Vraiment sans nom. Derrière moi, vous voyez encore la statue de Plop. Enfin, franchement, c'est juste magnifique, quoi. Gigantic, only in the
Mijn beste mensen. Je beste mensen. Ja. Lieve vrienden, geniet van 2023. En geniet vooral ook nu van Victor en Kana. Ça y est les copains, maintenant on est en 2023, bonne année à vous! Je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez souhaiter, la santé, l'amour, l'argent, tout ce que vous voulez, et surtout plein de bonheur dans les parcs Plopsa. Je vous fais plein de bisous, je n'ai plus de voix, je n'en peux plus, et on se retrouve cette année pour de nouvelles aventures, bisous!